Faber. Oh, c'est trop stylé. T'as jamais vu de la lumière? Mais elle a pas à la maison. Ah ouais, c'est vrai, j'ai enlevé toutes les ampoules. On fait les économies qu'on peut, hein. Ouais, ouais. Oula, c'est un peu chaud dehors, hein. Allez, déposez vos manteaux dans la penderie et bienvenue chez moi. Enlève pour moi. Pardon de manteau, on est des bonhommes, mon frère. Alors, vous en pensez quoi? Oh, et la déco, elle est trop bien! Ouais, c'est plutôt pas mal ici. Juste, il fait un peu chaud. C'est bon, là, je crois, c'est bon. Hey, la déco, elle est incroyable, hein? Pas mal, pas mal. Oh là là là, t'as vu les assiettes? Magnifique! Meuf, c'est bon, calme-toi, ouais, c'est du Lidl. Magnifique. Hein? Wow! J'ai faim. Vu le niveau de ta déco, je m'inquiète pas pour le repas de ce soir, hein? Ah, de ouf, ouais. Du coup, on mange quoi? Quoi? Je sais pas, on a faim. Bon, on est venu pour quoi alors? Bah, pour voir la déco, le nouvel appart, tout ça. J'ai pas précisé pour manger. Chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit au téléphone? Bah, il nous a dit de venir, c'est tout. On s'est fait avoir. Je me disais bien, ça sent pas la bouffe. Ça sent les bougies parfumées. Du coup, on mange quoi là? Bonjour, quelle est votre commande? Alors, je voudrais un menu Big Mac Maxi Best Of, s'il vous plaît. Non, potatoes, oh! Chelou, oui. Attends, mais tu pourras payer? Qui prend de l'eau? Non, c'est pas moi qui paye, c'est toi qui paye. Mais t'es sérieux? Enfin, tu m'as invité. Non, je t'ai invité à payer, pas invité à manger. Quelqu'un veut quelque chose? Ce sera tout, merci. Wesh, mais t'es sérieux là? Et c'est un crevard, frère! Wesh! Il abuse ce type. Ça marche. Bon, les cadeaux de Stéphanie sont super! On applaudit Stéphanie! Si, franchement, très bien joué. Ouais, c'était plutôt pas mal. C'est bien. Il manque plus que les cadeaux de Steven. À ton tour. Je suis sûr qu'il a rien acheté. J'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de temps pour pouvoir les trouver, ces cadeaux. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Allez, je vous donne. Des enveloppes. Une enveloppe. Attendez, attendez deux secondes quand même, hein. C'est bon? On peut ouvrir? Maroc. Australie. Ah ben moi, c'est écrit Japon. Attends, mais c'est quoi ce délire là? Vous pouvez y aller pour les vacances de Noël. Hein? Non. Oui? Non, mais 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 non. Mais non, fiston. Oui? Ça veut dire que je vais au Japon? Mais non, t'as pas osé. Je vais voir Naruto? Je vais voir One Piece? Eh hey, gros, Jurola, on part au Maroc, wesh. Oui? À moi les cons. Excellent. J'appelle mes copines. Appelle. Oh là là, trop d'émotions. Ah, on est bien. Il a fait fort, le petit, il a fait fort, hein. Eh, meuf, devine où on va, wesh. Au Maroc, wesh, au Maroc. D'où c'est fermé, wesh? Hein? D'où c'est fermé? Fermé. Comment ça va fermer? Ah, mince. Ça ouvre à quelle heure? Dis-moi, ça ouvre à quelle heure? Attends. Japon, Australie, Maroc, c'est fermé. À cause du Covid. Ah, c'est con ça! Bon, bah, ça sent Châtelet, hein. J'espère moi qu'ils vont te rembourser, hein. Je vais essayer d'appeler, oui, pour me faire rembourser, oui. Eh, hey, j'ai la haine, wesh, C'est bon, meuf, comme toi, c'est bon, Vas-y, me casse, wesh. This is Elon Musk. Bon, mais Olive, c'est ton cadeau. Oh, merci, Steve. Une Apple Watch? Dernier modèle? T'es sérieux, Steve? Ah, que je t'en prie, c'est normal. Oh, merci beaucoup! Ah, c'est trop content! Oh, elle est magnifique! Bah, du coup, il est où, mon cadeau? De quoi? Mon cadeau, il est où? Ah, t'as pas fait la mise à jour. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Olive, il est où, mon cadeau? Bah, je t'ai pas acheté. Comment ça t'as pas acheté? Enfin... Mais il est où, mon cadeau, quoi? Bah, je t'ai pas acheté. Non, mais Olive, tu dois m'offrir un cadeau. Pas obligé. Mais comment ça va pas obligé? Tu dois m'offrir un cadeau, enfin je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Attends, est-ce qu'il y a une règle qui dit que je dois t'offrir un cadeau parce que tu m'as offert un cadeau? Non, mais... Ah bah, est-ce que ça existe cette règle? Oui, c'est vrai, mais... Maman, est-ce que ça existe cette règle? Oui, mais... Stéphanie, est-ce que cette règle existe? T'es mal à taille du rat, wesh. Non mais, je t'offre un cadeau, donc tu m'offres un cadeau, c'est comme ça. Est-ce que t'as déjà offert un cadeau au Père Noël depuis toutes ces années? Il a pas tort en plus. Mais wesh. Attends, c'est vrai, il a raison lui. Il se plaint? Non.
En tout cas, merci pour le cadeau. Magnifique. Non, je suis désolé, je dois avoir un cadeau. Je suis désolé, c'est comme ça. Mamie, est-ce que t'es pas d'accord avec moi? D'accord ou pas d'accord n'est pas la question. Par contre, la question, c'est de savoir ce qu'on vivait auparavant. Comment on fêtait Noël? À notre époque, c'était pas évident, parce qu'on fêtait Noël, mais il n'y avait pas de cadeau. Ou plutôt, le cadeau, c'était des vivres, parce que nous étions dans nos locaux et c'était pas évident. Non, non, je me rappelle Jean-Baptiste qui était avec moi. Il était vraiment très, très beau. Il avait un gabarit d'homme mature. À l'époque, toutes les filles tremblaient devant lui, sauf moi. J'ai montré que j'étais quelqu'un qu'on me respecte. Parce que j'étais quelqu'un, ah oui, j'étais une diva, ah, ah.